Salut les filles, bonjour. Allez, j'espère que vous allez bien. Donc là, je me prépare donc pour le hit. Ok, donc on va faire 6 exercices. On va faire 3 fois. C'est-à-dire qu'on va travailler 18 minutes en enchaînant les exercices. Donc en tout, je vais essayer de me tenir à une demi-heure, comme ça c'est rapide, efficace. Donc on va s'échauffer. Et après on s'envoie. Allez, moi je suis prête. Alors je vais juste enlever le son ici, parce que sinon vous allez entendre le son, si j'y arrive. Hein. Non, bon, je laisse tomber. Ok, désolée si vous entendez des petits bips, je ne sais pas trop si vous entendez les messages. J'espère pas. Donc, c'est parti, donc on commence l'échauffement. Je vais laisser la vidéo en replay après. Et salut Caro. Allez, c'est parti. On y va, donc on commence, j'espère que... Donc, prenez un tapis, de l'eau. Tapis. Oh, et c'est parti. Donc je répète juste 6 exercices qu'on enchaîne en circuit de 3 fois. D'accord? Donc c'est un HIIT, on va faire un peu de cardio. Allez, on commence par l'échauffement. Donc mets les mains derrière la tête, on serre les coudes ici. Et hop, tu ouvres les coudes en arrière. Tu serres et tu ouvres. Donc les épaules bien basses. Quand tu tires les coudes en arrière, essaie de bien... Resserrer tes omoplates. Ok, garde les coudes tirés en arrière. On incline d'un côté, de l'autre, d'un côté et de l'autre. Ok, impeccable. Mets les mains sur les hanches. Fléchis un tout petit peu les genoux. Et hop, mouvement de rotation. Voilà, donc, grand mouvement, on avance les hanches, on recule le buste, etc. Donc là, on mobilise les hanches, les genoux, les chevilles. Ok, change de sens. Hop, sens inverse. Ok, on est bon. On va faire un petit peu les chevilles. Donc là, tu vas monter sur la pointe des pieds. Et puis basculer sur les talons. Pointe, talon. Le profil. Pointe, talon. On bascule. Hop, on monte sur les orteils. Puis on bascule un petit peu sur les talons. Mets les mains devant, envoie donc les fesses en arrière, le dos est droit, donc les jambes légèrement pliées, et hop, on va remonter en faisant une extension et on fait un grand mouvement de bras, ok? Et on recommence, fesses en arrière, jambes légèrement fléchies, dos droit, je monte, je contracte les fessiers, j'envoie les hanches, et je recommence, je descends, je monte. Grand mouvement, je descends, je monte. Donc ici, grand mouvement de rotation de bras. Allez, dernière. Ok, on est bon. On place les mains sur les hanches. Fesses en arrière, extension. Fesses en arrière, extension, tu avances les hanches, tu contractes les fessiers. Allez, hop. Ok, impeccable, les mains ici.
Descends face en arrière. Donc là, tu arrives dans cette position-là, tu as les talons au sol. Tu vas tendre une jambe, tendre l'autre. On arrive en position de planche, ok? Et on ramène la gauche et la droite. Et on se redresse, ok? Descends l'autre jambe derrière. Hop. Hop. On alterne à chaque fois. Gauche. Je remonte. Encore. Fesse en arrière, dos droit. J'amène une jambe derrière. L'autre qui suit, la dernière qui a suivi, repasse devant. Et je me remonte. Allez, encore. Je descends. Encore. De la planche, on a tête, colonne, bassin bien aligné. Allez, la dernière. Et je remonte. Ok, parfait. Donc là, tu es ici, tu serres les jambes, tu plies les genoux et tu fais le mouvement de rotation avec les genoux. Donc on est là, dos droit, rotation genou. Change de sens. Ok, allez, c'est parti. Donc là, tu cours sur place ici, donc tu utilises bras et jambes. Continue, moi je vais juste ouvrir la fenêtre. Je commence à avoir chaud. Allez, c'est bon. Allez, donc on est là, on court. On fait monter un tout petit peu le rythme cardiaque. Allez, ici. Ok, là tu vas ouvrir, fermer tranquillement. Donc tu amortis bien avec les muscles de la voûte plantaire, tu amortis le choc. Donc là, il va falloir que tu contractes ton périnée aussi. Hein. Le stop pipi. Donc tu gardes bien contracté. Ok, encore entre pieds sur place. Allez, super. Continue. Allez, on ouvre, on ferme. Encore une fois. Voilà, respire bien. Ok, allez, on trépigne. Ok, très bien, relâche. Alors, c'est parti pour le circuit. On fait 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récup entre les exercices. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer l'exercice au fur et à mesure. Moi, je vais enclencher le chrono et dès qu'il y a un bip, on enchaîne. Donc, je te montre le premier exo et ensuite, donc, je te montre les autres au fur et à mesure. Je vais te montrer une version et après, je te montre la version un peu plus facile, d'accord? Donc, première version. Et après, je te montre la deuxième version plus facile au cas où, selon ton niveau, selon ton état de fatigue, etc. C'est à toi de gérer tout ça. Donc, prête. Premier mouvement, c'est celui-là. Après, je mets le chrono. Alors, bois le coup. Un petit peu. Vu que ça s'enchaîne, n'hésite pas à boire entre les exercices si tu as soif. Une petite gorgée. Donc, premier exo, c'est celui-là. Donc, version, celle que j'aimerais bien, celle que je vais faire et celle qu'il faudrait que tu arrives à faire maintenant ou plus tard, ça dépend de ton niveau. Donc, ici, tu as une jambe derrière, une jambe devant. Tu fléchis, tu mets les doigts opposés à la jambe devant, ici, d'accord? Et ensuite, tu sautes et tu alternes. En sautant. D'accord? Donc, très cardio, très musculaire. Et ensuite, version un peu plus facile, donc une jambe derrière, je descends, je remonte. En fait, je remonte. Non, je change, mais je ne remonte pas le buste. D'accord? Je garde toujours le buste face au sol. Ça marche? Est-ce que tu es prête?
J'espère que oui. Allez, c'est parti. On y va. Après, je te montre la suite. Allez, go, 30 secondes, c'est parti. Ici. Hop, hop. Voilà, donc, sauter. On alterne. On respire bien. Allez, encore. Allez, bientôt fini. Le buste toujours penché en avant. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, super. Deuxième exo. Il n'y a qu'une version. Je trépigne, comme ça. Donc ça, c'est le trépigne. Donc je trépigne. Et en même temps, je descends et je monte. Donc, je trépigne, je descends, je monte. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Ça marche? Fesses bien en arrière. Et bien, ça va sonner. Allez, go! Trépigne. On trépigne, on descend, on monte. Fais un peu en arrière, pas besoin de descendre trop bas. Donc, tu respires bien. Allez. Allez, encore. Nickel. Allez. Prochain, on est assise. Version. Je décolle les pieds. Hop, je vais faire. Coup de poing d'un côté, coup de poing de l'autre. Version plus facile, tu poses les pieds si tu as mal au dos. Ici. Allez, go, hop. Alors évidemment, aspire le bas du ventre. Pivote bien le buste et donne le coup de poing bien sur le côté ici. Allez, respire. Ok, parfait, quatrième exo. Ce sont des pompes. Version 1. Hop, j'engage mon bassin. Je fléchis, je pousse, coup de poing. Je fléchis, je pousse, l'autre coup de poing. Deuxième version, je les fesses en arrière. J'avance la poitrine, coup de poing. Coup de poing. Coup de poing, les coudes sont serrés et pas ouverts. Allez, go. Version ici, gainage. Contracte bien les fessiers. Rentre le ventre. Je remonte juste la deuxième version. Continue, continue, fesses en arrière. Un peu plus de facilité. Je sais que les pompes, c'est parfois difficile. Oui, les filles. Ouais, c'est bon. Ok? Ensuite. Burpee. Je descends en squat. Je pose mes mains. Hop. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme deux fois. Et je remonte. Ça marche? Sinon, version plus facile. Je descends, je pose mes mains, j'envoie une, deux. J'ouvre, 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 ferme. J'ouvre, j'ouvre, ferme. Hop, allez, go, c'est parti. Hop, sinon je saute. J'ouvre deux fois, je ferme, je remonte. Je descends, squat, je pose les mains, tac. Deux. Je descends, j'ouvre, un, deux. Ça marche? Allez. Je vais doucement exprès. Hein. On descend, j'ouvre, ferme. Ok. Donc maintenant on est au dernier exo. En garde de boxe, une jambe devant, une jambe derrière. J'envoie la jambe arrière devant. Hop, j'envoie, je lève le genou, je lève le pied. Et ensuite j'inverse, deux gardes. Hop, c'est toujours la jambe de derrière qui part.
J'inverse. Ça marche? Allez, on commence ici. Gauche, jambe arrière. Hop. J'inverse. Là, voilà, ok. Je lève le genou et je tends la jambe. C'est bon, tu l'as? Aujourd'hui, c'est 10 box. Coup de pied. Ok, super. On repart sur le premier exercice qui est celui-là. Attends un peu, bois un coup. Allez, juste un petit rappel, donc version sautée, version non sautée, j'alterne gauche-droite, je lève toujours le bras opposé ici. Allez, sinon je saute. Hein. Voilà, on fait gaffe à sa posture. Ouais, c'est bon. Voilà, profite de la récup. Le deuxième, c'est je trépigne, je descends, je monte. Je trépigne, je descends, je monte. Allez, go, c'est parti. Trépigne, descend, monte. Voilà, toujours les pieds, tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Allez, nickel. Allez, encore. Bien. Tabasse celui-là, mine de rien. Donc soit les pieds levés, soit pieds au sol, c'est parti. Allez, pivote bien la tête également. Ouais, c'est bien. Nickel. Pompe. Hop. Ok. Première version. Bassin engagé. Je contracte les fessiers, j'augmente le ventre. Je fléchis, je boxe. Deuxième version. Hop là, je boxe. Hop là, je change de bras. Allez, go, c'est parti. Allez, on tient. Boum. 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 Allez, encore. Gardez bien la position. Ne laisse pas tomber la tête. Hein. Allez, on tient. Ouais. Burpee. Alors je remonte vite fait la version plus simple. Je descends en squat, je pose les mains, j'envoie une jambe après l'autre. Ok? Ensuite, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et je reviens une jambe après l'autre. Si tu as du mal à sauter.
Ok? Allez, sinon version sautée, c'est parti. Squat. Hop, planche. Deux sauts. Je reviens. Squat. Planche, deux sauts. Je reviens. Allez. Allez, on continue. Ouais. Dernier du circuit. Coup de pied. C'est des mal guéris en karaté. Donc, on commence. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. On se met en garde, j'envoie la jambe. Hop, en fait, je lève le genou et je tends la jambe. Allez, go. Je repose ici et je change de garde. Hop, j'inverse. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Tac, c'est histoire de mettre un peu de cardio. Troisième série et dernière. On y va. Attention. C'est parti, go. Allez, on respire bien. Allez, il nous reste que 6 minutes d'effort. On tient le coup. Allez, quelques secondes pour celui-là. Ouais. Allez, respire. Trépigne, fesse en bas, fesse en haut. Allez, prête. Go, c'est parti. Allez, on trépigne, on descend et on monte. Allez, on n'arrête pas sur les trépignes. Allez. Encore, encore, encore. Ouais, c'est bon. Donc, pied décollé si t'as pas mal au dos. Si t'as mal aux abdos, tu lèves quand même. Allez, go! Allez, remplis le ventre. Aspire le ventre. Allez. Ok. Lève-toi. Non, ne te lève pas. C'est les pompes. Donc, à genoux, attention, les pompes serrent bien les coudes. N'ouvre pas comme ça les coudes quand tu fais des pompes. Pas ouvert comme ça, c'est vraiment serré.
Allez, en position. Bassin engagé ou pas. Allez, go, tu vois. Et descends jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Pousse. Tu montes et tu changes de bras. Allez, coup de poing. Allez, contracte les fessiers, verrouille ton bassin. Si tu es dans la même position que moi. Encore. Ouais, c'est bon. C'est là qu'on se lève. Pour le burpee. Burpee avec deux sauts. J'ouvre, je ferme les pieds. En sautant si possible. Sinon, un après l'autre. Donc, écarte bien les pieds largeur des épaules d'abord. Et on commence. Allez, bon. Squat. Jump. Allez. Hop là. En place, mais ici à hauteur du menton, jambes arrière, go, hop, hop, et on change de garde. Pause, retourne, pause, change, pause, change. Voilà. Bon, on va s'étirer les cuissons. Hop, tu descends ici. Tu mets une main devant. Tu poses ton front. Et avec l'autre main, tu prends ton pied là. Donc là, tu tires ta lampe face. Et en plus de ça, tu contractes les fessiers. Ça étire un peu plus. Voilà. Et on maintient quelques secondes comme ça. Allez, c'est bon. Repose, on fait l'autre côté. Donc, t'inverses bras, bras et jambes. Tu tires ta lampe fesse. Resserre les deux genoux par contre. Ok, relâche. Mets les mains à côté de la poitrine ici. Tu pousses. On fait celui-là. Allez. Bras bien tendus, fesses en arrière. Allez, on étire bien le dos, les épaules.
pied ici vers le bassin. L'autre jambe, tu la croises par-dessus le genou et ta jambe. Ensuite, c'est le genou qui est vers le plafond, tu prends le même bras, tu l'enroules. Tu sors la poitrine et tu pivotes côté opposé ici. La tête et le buste. Tu dois sentir la fesse s'étirer et peut-être le dos également. On maintient. Donc là, évidemment, tu tires un petit peu le genou vers toi. Tu vois, tu le serres contre toi. Tu lui fais un gros gâté. Tu maintiens. Allez, c'est bon. Relâche. Idem de l'autre côté. Le pied ici, la jambe croisée par-dessus. Tu enroules ton genou. Tu sors la poitrine, tu pivotes le buste et hop, tu serres le genou. Donc là, c'est l'autre fesse qui s'étire. Ok, voilà, le cours est terminé. Bon, j'espère que ça t'a plu, voilà. Donc, si tu es quelqu'un qui veut perdre du poids ou du gras, sache que du coup, je fais du coaching en ligne avec un coaching premium, donc qui est vraiment individualisé. Voilà, il y a un gros suivi derrière, il y a un bel environnement de travail pour garder la motivation, la persévérance jusqu'au bout de son objectif. Donc si tu veux vraiment l'atteindre, si tu veux être sûr à 100% d'atteindre ton objectif, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, on va en discuter, après je peux éventuellement te donner un rendez-vous téléphonique, on va encore en discuter, et vraiment si tu es prête à rejoindre le programme, et si tu fais partie des femmes que j'aime coacher, et des femmes dont je suis sûre qu'ils vont y arriver, et bien on pourra éventuellement parler de coaching ensemble, voilà, on pourra travailler ensemble, ça sera avec plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée à toutes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour que je vois un petit peu, que je connaisse un petit peu vos sensations, que j'apprenne à vous connaître parce que j'adore parler avec vous. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt, ciao. Demain c'est le repos et ensuite on rattaque un cours jeudi et vendredi. Pareil, je reste sur 9h. Voilà, bisous, bonne journée. Ciao.